Meow. こんばんは皆さん、お元気ですか？Coucou tout le monde, comment allez-vous? Dès que je dis Naruto, mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Est-ce que tout fonctionne? Hola, hola. Hola, hola. Oh mon dieu, des origamis qui cassent les oreilles dès le début. Coucou Saïma. Orange, orange. Ok, ok. Ja, kono iro kara hajimemashou ka. Genki desu, sensei wa. Genki desu, genki desu. Dites-moi, c'est ok au niveau des réglages? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la musique de fond... J'ai l'impression que vous l'entendez presque pas. Je vais faire des petits réglages, attendez. Avant de pop ma petite tête. Oui, parfait. Alors, attention, j'arrive. Coucou tout le monde. Est-ce que ça va mieux comme ça pour la musique? Dites-moi. Kambawa tout le monde. Coucou, installez-vous. Installez-vous. Daijoubu desu ka? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'origami, dis donc. J'ai l'impression que ça fait une éternité. On commence par un orange, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Hop. Est-ce que vous allez bien, tout le monde? La musique, c'est encore un peu trop bas? Alors, attends. J'augmente encore un petit peu. Hop. Voilà. Là, ça devrait aller, j'imagine. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est mieux? Là ça va, ok ok, parfait, les réglages sont faits. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez chaud? Oui j'imagine. Là on est sur du 32 degrés dans le nord. Non, je dis non. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en tout cas. Comme toujours, hydratez-vous. Je vais me boire dès maintenant. Votre sensei a mal à la gorge. Je ne sais pas ce que j'ai chopé encore. Mais j'ai... No, no doga itai ne. No doga itai. Ja, nomimashou. Du coup, on va boire. Est-ce que boire va aider mon mal de gorge? Je ne sais pas. Bienvenue à toi, Katimbin. Ha-san, j'espère que ça se lit comme ça à la japonaise. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel, yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'aimerais bien vivre dans ma baignoire aussi, Lucifi. Je t'avoue,
Et demain, c'est pire. Ouais, ça va être rigolo. La Japan Expo. Il pouvait pas pleuvoir cette semaine-là. Genre, vraiment. Ah bah non, mais la Japan Expo. Ah, je suis morte. Ouais, ça va être rigolo pour la Japan. J'ai vu les températures, c'est pas mieux. Hein. Un petit peu plus frais. C'est pas frais, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. C'est la Japan Expo. Eyakan ga arimasu kara atsusugiru dewa no... Ah, atsusugi janai no kana. Daijoubu desu yo. Yokatta, Kefi, yokatta. Atashi wa ne, chotto... Chotto, ne. Moi, c'est un peu compliqué. Le ventilo, il ventile pas beaucoup. Il ventile pas beaucoup. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour faire un peu de cana aujourd'hui? C'est la reprise des cours, ça y est. Il y a eu un petit peu de vacances, une petite pause. J'espère que vous avez profité de ça pour réviser. Vous êtes tous des élèves très studieux, je me doute. Je n'ai même pas besoin de vous poser la question pour savoir que vous avez révisé. Une chance pour ceux qui vont à la Japan Expo, les deux jours à 38 et ont décalé à lundi-mardi, donc dans les prévisions visiblement. Qu'est-ce que tu parles, Saïma? J'ai rien compris. Ah, wakarimasen deshita. Bien le bonjour, j'écoute ta chaîne grâce aux recommandations. Tu parles japonais depuis longtemps, comment as-tu appris? Désolée, je suppose qu'on te le demande souvent. Alors, pas de soucis, Arizona-san. Du coup, ça va faire plus de 8 ans que j'apprends le japonais, donc je pense que je peux dire que je le pratique et que je le connais bien. Et j'ai appris grâce à l'école, hein. J'ai fait une LV3 quand j'étais au lycée et j'ai continué à la fac, là je suis en dernière année de master. Du coup voilà, j'ai vécu un an là-bas aussi pour mes études. C'est un bon résumé? C'est un bon résumé. Je vois qu'il y en a qui sont prêts pour les canas. On fait une petite un petit décalage de scène vers le diapo, que je vous explique un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à Yobegei. Bienvenue à toi, Arizona. Installe-toi si t'as d'autres questions, surtout. N'hésite pas. J'aime bien répondre à vos questions. Donc voilà, ne te gêne pas. À la fac, il y a 7 ans, t'es précoce. Non, il y a 5 ans. Ah non, t'as dit à 7 ans, MDR. J'ai rien dit. J'ai mal lu ton message. Je suis fatiguée, les gens. Ayez pitié de mon âme, d'accord? Mon anniversaire hier, c'était génial. Hein. Franchement, encore merci à toutes les personnes qui sont venues. Je me suis éclataxe, comme on peut dire. Mais qu'est-ce que je suis fatiguée? Qu'est-ce que j'ai pas rattrapé du tout avec la chaleur? Je suis capoute. J'espère que vous, ça va en tout cas de votre côté. Donc si je dis des trucs un peu... que je bafouille, vous, hein, voilà. Le monsieur qui dit qu'avant, la météo disait 36-37 ce week-end à Villepinte, mais nouvelle prévision... Ah, so nanda. Ok, wakarimashita. Oui, c'est exactement ça, les jeux. Tout à fait, à 2 ans, j'ai commencé la fac. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va réviser les hiragana, hein, parce qu'on a laissé nos pauvres petits hiragana en plan pendant 2 semaines, là. Donc, théoriquement, vous avez eu le temps de les réviser. On va presque revoir toutes les syllabes, sauf les 2 dernières lignes que l'on va travailler aujourd'hui. Vous pouvez le voir actuellement sur le diaporama. Hein. Donc, on va commencer avec un petit quiz sur l'application Quizlet, comme d'habitude. Et ceux qui sont sur téléphone, vous pourrez répondre sur le chat, bien évidemment. Et puis on prendra une vingtaine de minutes pour travailler l'écriture des 2 dernières lignes qui nous donnent du coup la leçon 5. Il reste plus grand chose à voir hein, pour les hiragana. Du coup, la semaine prochaine, on verra les dernières syllabes composées et les règles d'écriture, je pense. Mais on arrive au bout du cycle des hiragana. Après, on pourra passer au katakana. C'est quoi les hiragana? Alors oui, c'est vrai, c'est une bonne question. S'il y a des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas un petit peu tous ces termes, eh bien les hiragana, ce sont des syllabes qui permettent de retranscrire principalement les mots d'origine étrangère, ouais, bien sûr, japonais, les mots d'origine que... Ah! Vous avez compris? C'est les japonais qui les ont inventés. Ou la grammaire. Voilà, les terminaisons, les particules, ce sera à chaque fois écrit en hiragana.
Et coucou Christophe. Et ça va être compliqué les gens, donnez-moi un peu de force. Mettez-moi des petits clap-clap dans le chat là, j'ai besoin de force. Je sens que la bafouille elle va y aller aujourd'hui. là là, je me suis lancé le challenge faire du japonais pendant 30 jours d'affilée. Oh, gambatte Lucas-san, gambatte. Tu peux y arriver. On va te donner de la force pour le défi. T'y arrives pour le moment? Là ça fait 12 jours, t'as réussi sur les 12 premiers jours? Que penses-tu de Rosetta Stone pour apprendre cette langue? Je n'ai pas trop de choix, malheureusement. J'habite en une région perdue où il n'y a aucun cours. Alors moi, Rosetta Stone, je ne peux pas te donner mon avis, tout simplement, parce que je ne l'ai jamais testé. Si tu es débutant sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal pour avoir une bonne prononciation. Mais pédagogiquement parlant, je ne peux pas te dire si l'application mérite le prix qu'il faut dépenser pour la débloquer. Si tu as la possibilité de faire une période d'essai, ben n'hésite pas pour te faire une avis. Mais malheureusement, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de la tester. Et coucou à toi, Marwena. Merci beaucoup pour le recep. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Des clap, clap, clap pour Marwena. Merci beaucoup. Konbawa, konbawa. Non, j'ai commencé depuis 3 jours à faire ce challenge, mais je ferai les 30 jours en décalant. Ah, ok. Gambatte kudasai, Lucas-san. Gambatte, courage à toi. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont lancés ce défi, peut-être pendant les vacances. Moi, j'ai fait le challenge, il reste plus que 2 mois pour passer le JLPT. C'est pas la même chose. Mais bon, c'est peut-être un équivalent. Clap, 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 merci beaucoup pour le sub, merci. 5 mois d'abonnement déjà. Fiu, fiu. Donc voilà le petit programme d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on va commencer par la date. Ceux qui révisent la date, hein, on est quel jour aujourd'hui? Kyō wa nan nichi desu ka? Et pour les plus débutants d'entre vous, comment est-ce qu'on dit du coup mardi? Kyō wa nan yōbi desu ka? On est quel jour? Donc soit le mois et le jour, soit pour les débutants, uniquement le jour de la semaine, à savoir mardi. Comment on dit mardi en japonais? Mais t'as carrément raison, Lucas-san, carrément. Le temps passe trop vite, mais oui! 5 mois, mon Dieu, t'étais là en début d'année. Madide! Alors, je vous laisse proposer du coup des réponses pour la première question. C'est tout pour moi. On a changé de mois en plus, hein. Maintenant on est en juillet et là on est le 12 aujourd'hui. Non, je dis pas ça pour toi, Képi. Tu peux le prendre pour toi si tu veux, là c'est toi qui vois, mais... Au fait, Seima, j'ai fini la petite grue, tu peux faire un point d'exclamation. Origami, on va la mettre dans la petite boîte. Hop là. Bon bah je lirai la date du coup avec un magnifique accent français, bien évidemment. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent proposer? Je vois qu'une date en japonais. Kyō wa... Ah, je lis la question en mode française du coup, en mode français. Kyō wa nanishi... Non, nanishi desu ka. Ça promet le cours d'aujourd'hui. Je suis désolée les gens, j'essaie de donner toute l'énergie que j'ai, mais il reste plus beaucoup d'énergie, vous voyez ce que je veux dire? Kyō wa nanishi desu ka. Voilà. Kyō wa nanishi desu ka. Kyō wa shishigatsu. Shishigatsu, bien évidemment. Ni nishi desu. Je vous la fais quand même correctement. Hein. Aujourd'hui, du coup, on est le 12 juillet, hein, ce qui donnera du coup en japonais Shichigatsu juni nichi desu. Et avec un bon accent français, Shishigatsu juni nichi desu. Nishi desu, peut-être. Je sais plus. Energi arimasen ne. Watashi wa sumimasen. J'étais à deux doigts d'annuler le live, pour tout vous dire. Et je me suis dit, non, ça fait 2 semaines, on n'a pas fait les hiragana, c'est pas possible, je n'annule pas. Mais voilà, ayez pitié de mon âme, s'il vous plaît. Me demandez pas trop de... D'accord? De... Wouh! je pense que la chaleur y est pour beaucoup, en vrai. Hein. Les 32 degrés, là, on est à peine sortis dehors que j'étais particulièrement capoute. J'ai fait un peu de sport ce matin, j'ai inauguré le Just Dance que Gosto m'a acheté, ça m'a encore plus cassé. Mais c'est pas grave. Bon, voilà pour la petite date,
Tant pis pour les retardataires. Et je vous propose finalement qu'aujourd'hui on rentre assez vite dans le cœur du sujet, à savoir travailler nos chers hiragana et de réviser avec Quizlet, notre ami Quizlet, bien évidemment. On va commencer par une révision globale, hein, du coup, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je pense que c'est à cause de la Congolie. J'arrive pas à lire ton mot. Je suis arrivée à ce stade-là, je peux plus lire ces mots-là. C'est plus possible. Mais je suis d'accord avec toi, Esu, bien évidemment. Bien évidemment. Aïe, 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 aïe. Allez, on va faire une petite évaluation. Je vais vous faire travailler. C'est ça que font tous les profs fatigués, non? Ils font travailler les élèves comme ça, eux, après, ils sont tranquilles. Allez, je vous envoie un petit lien. Ceux qui veulent réviser leur hiragana, c'est le moment. Si vous êtes sur téléphone ou que c'est compliqué d'ouvrir une autre fenêtre, eh bien, vous aurez la possibilité de répondre également dans le chat. Sachez juste que si les gens sur Quizlet sont très rapides, alors vous avez très peu de temps pour répondre. Donc voilà, en étant sur Quizlet, vous êtes sûr que vous avez au minimum 20 secondes données, tranquillou, pépouze, pour répondre. Et coucou à toi aussi, ça! Comment vas-tu? Konba wa! Sou desu ne, c'est moi. Zenzen nae. Zenzen arimasen. Y'a plus rien. Prête avec un bol de ramen? Ah, si, c'est pas beau ça. Alors, je vous laisse rejoindre ou non le Quizlet. Comme d'habitude, on va en faire peut-être deux de révision. On va voir la vitesse à laquelle vous allez, 2 à 3 quiz de révision. Et on enchaînera avec les deux dernières lignes, la ligne des R et la ligne des W plus le N, qui auront également droit à un mini-quiz tout à la fin de la leçon. Pour ceux qui se demandent et qui viennent peut-être d'arriver sur la chaîne, on est sur des cours d'une heure et demie, donc on en a plus ou moins jusqu'à 20 heures. Voilà. En comptant l'introduction, la conclusion et tout le blabla au milieu, bien évidemment. Hop, je repop le lien pour ceux qui viennent d'arriver et qui peut-être ne l'ont pas dans le chat. Et le temps de boire une petite gorgée et je lance le premier quiz. Ah, presque ça aussi. Daijoubu. 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 Ça va, hein, daijoubu. Je te le réécris dans le chat. T'étais pas loin. Daijoubu. Il veut pas s'écrire. Comme ça. Daijoubu. Daijoubu desu. Bon, allez, on lance le premier. On est parti. Attention, il y a quelqu'un qui part. Vous pouvez rejoindre en cours de route ses besoins. C'est parti. Commencez. Alors ici, première syllabe que vous voyez pas, je vous recadre. Le beau en japonais. A, B, C ou D comme réponse. Sur Quizlet, sur le chat, c'est à vous de jouer. A, B, C ou D. Oui, faites attention. Sur Quizlet, je pense que ça se voit mieux que sur le stream. Mais le premier, si je vous zoome, c'est quoi comme caractère? C'est quoi le caractère A? Il se lit comment? Dans le chat. C'est quoi le A? Sodesenez Doryo-san. So. Faites attention, hein. La ligne des B et la ligne des P ont pour origine la ligne des H. Et ce qui va les différencier, c'est ce qu'il y a en haut à droite. Si c'est deux petits points, deux petits traits, pardon, ça sera la ligne des B, du coup. B. Par contre, si c'est un rond, ça sera la ligne des P. P. Donc là, faites attention. Si c'est un problème de visibilité, évidemment, vous faites pas attention, hein, mais si vous l'avez bien vu et que vous avez cliqué sur le mauvais, eh bien, faites attention. Question suivante. Le meilleur japonais, A, B, C ou D? Ah, koroke, oishi ne, coucou Kaninours, merci de faire un petit coucou, c'est gentil. Alors ici, tout le monde dans le chat ou sur Quizlet, le mais, c'est quel caractère? A, B, C ou D? Oh oui, là ça y est, on arrive sur du sans faute. Hein. Réponse B, très bien. On continue. Le hi, A, B, C ou D? Quelle est la bonne réponse?
Le hi, ce sera quel caractère? Coloquer nos baskets, MDR. C'est un perfect, bien joué, Quizlet. Réponse D. On continue. Le nez. A, B, C ou D? Nez. Quel est le bon hiragana? Ah, hayae, vous avez été rapide, dis donc. Réponse D, très bien. Je fais, hop. Je renvoie le lien s'il y en a qui veulent revenir en cours de route. Hein. Réponse D, le nez. Hein. Souvenez-vous que la ligne des boucles, c'est la ligne des N. Si vous avez un doute, généralement, ça aide à éviter les erreurs. Question numéro 5. Le sou, c'est quel caractère? A, B, C ou D? Aïe, aïe. Le Quizlet est très, très, très rapide aujourd'hui. Réponse B. Très bien. Réponse B. On continue. Le ça, est-ce que c'est A, B, C ou D? Sou. Les sous, c'est okane. Son, hein? Son, 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 son. Alors ici, tout le monde, A, B, C ou D? Pour le ça. Perfect, tout le monde. Très bien. Réponse C. Très, très bien. On continue. Le tsu, ça donnera quoi? A, B, C ou D? C'est imparfait, j'ai rien à dire. Hein. Réponse C, c'est le tsu de tsunami, hein, comme une vague. Comme une vague. Question 8, le C en japonais, ça donnera quoi? A, B, C ou D? Tone, sono kanji kepi. Son, son, son. Quizlet est gentil, hein. Le C, bah, c'est la réponse C. Obviously. Aïe, aïe, aïe. Réponse C, Desne. Allez, question suivante. Le taux, A, B, C ou D? Je sais pas. Pour le taux, ça sera réponse D. C'est imperfect pour Quizlet. Bien joué. Question numéro 10. Le A. Celui-là, même dans le chat, vous l'avez tous normalement. Le A, c'est quoi? A, B, C ou D? Encore une fois, Quizlet vous aime beaucoup. Quizlet est très gentil aujourd'hui. Parce que la réponse pour A, c'est A. Qui a dit que le japonais c'était difficile? Qui? Avant dernière question, pour le He, c'est quel symbole, quel caractère? A, B, C ou D? Quizlet wa yasashi ne. So desu ne. So, 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 so. Oh, attention ici, hein. On peut se faire avoir avec le A, hein. Je comprends que quelqu'un les choisit. Donc, sans rien, ce sera toujours le son de la ligne des H. Donc ici, réponse D, hein, he. Par contre, pour le A, du coup, on va le lire comment? C'est quoi la réponse, la lecture pour le hiragana en A? Ah, alors, soit dit au passant, Saima, Kepi... grosse connexion là ce soir. Ça en est. Ici, hein, pour le A, c'est le son P. P. Destiné. Sans, sans, sans. Et du coup, on sait pas du tout quoi manger non plus. Ghost Tour, on n'en a pas parlé, tiens. Il y a un caca qui vole, Seima, ça y est. Allez, dernière question. Pour le pas, ce sera quel caractère? A, B, C ou D? Ah ouais, on l'a dit. Mais je suis vraiment fatiguée. Hein. Ah bah là, laisse tomber. Ma mémoire, elle fonctionne plus. Hein.
Là, je vais oublier tout ce que je fais dans les heures à venir, j'aurai tout oublié. Aïe, aïe, aïe. C'est très bien tout le monde, hein. C'est un sans faute. Réponse C. On va regarder le premier tableau des scores, hein. Ça m'a l'air excellent, on est à 100%. Que demander de plus, on s'arrête là. Ciao tout le monde, à demain. Du coup, si tu comme tu es arrivé en cours, tu as quand même la note max normalement, je crois. Donc félicitations. 100% de bonne réponse. Je pense qu'on va pouvoir faire tout de suite un autre quiz. C'est très bien. Hop. Je vais peut-être plutôt repartir en arrière. Attendez. Sinon, ils vont vous remettre les mêmes et c'est pas très utile. Hop. Les 12 aléatoires. Ah bah vous êtes redessus. Bon bah j'ai rien dit. Hop. Voilà, vous pouvez venir. Faut rester sur une victoire. Faut vous entraîner aussi. Ah, petit origami. Ok. Est-ce que j'ai ça, Chairo? J'ai pas, Seima. J'ai pas marron. J'ai pas marron, gris, noir, blanc. Les autres, je les ai normalement. Donc, ceux qui veulent refaire une manche, hein, n'hésitez pas du coup à rejoindre le Quizlet. Voilà, c'est une application gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et pour ceux qui sont du coup sur téléphone, vous pouvez également répondre dans le chat, évidemment. Ok, on part sur du vert du coup. Ça marche. C'est plus des erreurs de clavier pour toi aussi. Gambatte alors, courage. Je t'envoie que des ondes positives. Je vais faire un peu plus d'envoi de pensée avec les réponses dans les pensées bien évidemment pour vous aider. Hop, je renvoie une dernière fois le lien et on va pouvoir lancer la manche numéro 2. Est-ce que vous pouvez faire aussi bien, à savoir un hein, zéro faute? Je crois en vous. Je crois en vous. Vous pouvez faire au moins au-dessus de 80%. On va fixer cet objectif. Emma. Ça faut pas le dire, tu vois. Ça faut pas le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu complicado, hein, je vous avoue. Les transmissions de pensée, elles risquent d'être très brouillées. Est-ce c'est pas possible. Allez, on lance la nouvelle manche. C'est parti. Attention. Hop. Alors, pour le caractère hé, ça sera quelle réponse? A, B, C ou D? N'hésitez pas à répondre dans le chat si vous n'êtes pas sur le Quizlet. Très bien pour le chat. Bien joué, Nicolo et Netsu. Réponse D. Hé. On continue. Le haut cette fois-ci. A, B, C ou D? Konbawa, Netsu-san. Pas fait exprès, mais du coup, en termes de télépathie, Anya est d'autant plus adéquate, même si elle n'en a pas. Né, sort dessiné. Il a bug, alors attends, Lucas. Je renvoie le lien, t'as juste à cliquer dessus et ça va te remettre dans le quiz normalement. On fait une petite pause, on fait une petite pause. Là, en effet, hein, c'est imperfect pour tout le monde. Réponse B hein, pour Ho. Très bien. S'il y en a qui veulent rejoindre en cours de route, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Bien joué, Nicolo. Bien joué, genre Dan. Bien joué, Netsu. Réponse B. Très, très bien. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut repartir? Je remets le lien au cas où, s'il y en a qui veulent rejoindre. C'est bon pour tout le monde, j'imagine. On continue. Question numéro 3. Alors, pour le son di en japonais, ce sera le caractère A, B, C ou D? Ah, c'est mal le petit blagueur. Le petit blagueur. Ah, je dois parler avec un accent japonais, j'avais pas vu. Je dois parler avec un accent japonais, mais j'oublie souvent de regarder. Et félicitations, Minasan. Réponse A.
desu ne. Ah, so desu ne. Pour ji, hein. Puru ji. La réponse est a. Like, muzukashi yo. C'est compliqué de parler français avec accent japonais. Maji de, muzukashi desu yo. Et déjà, tsugi, question suivante. You. Est-ce que c'est A, B, C ou D pour le caractère? Karakuteru wa. Du coup, je parle japonais. Kelu et les karakuteru. Baka sugi ja. Très bien, le chat. En effet, réponse A. You. Hai, so desu ne. Question 5. Pour le Z, est-ce que c'est A, B, C ou D? Tant que c'est pas les katakana, c'est facile. On va bientôt les retravailler, les katakana. Ce sera le moment pour toi, Netsu, de les revoir en mode intensif. Alors ici, A, B, C ou D pour le son Z? Très bien tout le monde. Réponse A. Quand elle va, hey, dessiné. C'est un full A, sans dessiné. Ah, Kuzlet est très gentil aujourd'hui. Très, très, très gentil. On continue. Pour le B, ça va donner quoi? A, B, C ou D? B. B no hiragana wa nan desu ka? Quel est le hiragana pour le son B? Attention, B, dewa arimasen. Ça en est. Réponse B. Très bien, tout le monde. Faites attention. Du coup, le A, il se lit comment? C'est à vous de jouer dans le chat. Le A, il va se lire. Ici, vous faites attention. Hein. C'est vrai que sur le stream, c'est peut-être moins évident. Normalement, sur Quizlet, on le voit mieux. C'est avec un petit rond, un maru. Donc, dans ce cas-là, c'est le son P. Hein. Ça devient pi. Pi, exactement. 3,14, etc. Né, ça va. Question suivante, pour le C, ça va donner quoi? A, B, C ou D? Eh, ça image plutôt efficace aujourd'hui, je trouve. Hein. Hop! Et voilà la suivante, point d'exclamation origami dozo. Alors, vraiment, ils sont trop gentils sur Quizlet. Hein. Le C, c'est encore C. Oh bah dis donc! Oh bah dis donc! Très bien, on continue. Pour le T cette fois-ci, A, B, C ou D? Doro desu ka? Quelle est la bonne réponse selon vous? C'est imperfect pour Quizlet et le chat. Réponse biais, bien B. Pas biais, B. Bien joué, Ever Shantia. Félicitations. Réponse B. On continue. Pour Pi cette fois-ci. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Pi, c'est quoi? A, B, C ou D? Un petit thé ou un café? Otaka kohika. Ne? Ah, bye bye, Christophe. Bon appétit à toi. Toujours la même vanne, on adore. C'est imperfect pour Quizlet et le chat. C'est pas le chat, c'est le chat. Le A. Oh, je me fatigue. Allez, question 10, on oublie. Pour le beau, A, B, C ou D? Oh, mon Quizlet, mon stream deck qui bug, ça y est. A, B, C ou D pour beau? Do desu ka? Perfect. Kanbeki desu. Ban de candy pour spam MDR. c'est le stream deck qui fonctionne pas, c'est pas moi. Allez, on continue. Pour le no, ça donne quoi? A, B, C ou D? Otsa no hou ga suki kana? Esu zanimu. Moi aussi, le thé, je trouve que c'est supérieur au café. Le thé, ça me donne pas mal à mon bidou. Plus que 2 ans. C'est quoi ce pseudo? Bienvenue à toi. Il te reste plus que 2 ans pour apprendre le japonais, j'imagine. Merci
merci beaucoup pour le follow. En tout cas, follow, je te connais, t'es arigato gozaimasu, konnichiwa, et yokoso, bienvenue sur cette chaîne. Réponse A hein, pour le no, du coup, hein, c'est un seul trait. Quizlet de tempa, no, attends, je remets. Tashi wa dekakemasu, mina gambatte, et ja Nicole, mata kondo ne. Kite kurete arigato gozaimasu, mina gambatte kudasai, gambarimashou. Hop. Mata mata ne. Bye bye Nicolas-san. Hop. Et on est reparti. Dernière question du coup. Cette fois-ci le A. Yabari yasashi ne kyoma. Il est trop gentil aujourd'hui, Quizlet. Quizlet est votre ami. Quel est le caractère pour A? Denis, es-tu parmi nous? Sans dessiner. Quand elle va, hey dessiner, réponse A, bien joué tout le monde. A, c'est A, c'est. Quizlet est notre ami. Allez, on va regarder les scores. On va peut-être en refaire un du coup. Hein. Plutôt efficace, 90% de bonnes réponses. Félicitations. On a un petit impôt outil. Halaou. Je me dis que ça se lit comme ça du coup. Arthur, Marie. Attendez, je clique. Fuenza et Sainte-Sainte pour votre pain. Félicitations. On a Miku en top 2 et aussi en top 3. Félicitations tout le monde. Très très bien, très très bien. Il a pas mon ami bug chez moi, le serveur de Quizlet est trop chaud. Gomenasai ne. Yoroshite kudasai. Est-ce qu'on ne recréerait pas un petit du coup? Allez, un petit dernier, parce que là, quand vous êtes quand même chaud, hein, ça fait 2 semaines qu'on les a pas vus. On va voir. Voilà. On va faire. Ah, ouais, voilà. Alors, félicitations à toi, du coup, Lucas, pour ton top 1, même si ce n'est pas affiché. C'est la faute des bugs. On y croit cette fois-ci, on y croit. Et j'espère que vous me croyez si vous... je vous dis que je commence à avoir faim. On a qu'à peco peco yo. Ne. Pineapple, tabeta no ni ne. Live no mai ni. J'ai mangé de l'ananas avant le live, mais bon, peco peco. J'ai déjà faim. Allez, on continue. Qui veut revenir travailler un peu les hiragana avant qu'on voit les dernières lignes? Merci beaucoup, cœur de hibou. Merci pour ton follow. Follow, je te connais. Arigato gozaimasu. Konno channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Peko peko, ouais, ça va avoir faim. Onaka peko peko. C'est comme onaka sita. J'ai faim. Avoir faim. Peko peko ne. C'est un onomatope. Oh, et merci beaucoup, Wolmesan, également pour le follow. Il y a beaucoup de monde, dis donc. Arigato gozaimasu. Follow, je te connais. Aino. Konno channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne également. Installez-vous. N'hésitez pas à discuter avec nous dans le chat et à vous présenter, notamment en me transmettant plus ou moins votre niveau de japonais. Et Jo de San, arigato gozaimasu. Merci beaucoup pour le resub, les gens. Je vais des clap 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 dans le chat, des clap 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 pour Jo de San. Arigato gozaimasu. Faudrait que je fasse la commande sur mon stream deck. Tiens, des claps. Hop, clap. Arigato gozaimasu. Bon, pour le Quizlet, on n'est que ça. Qui veut nous rejoindre, là? Sur les 40 personnes qui nous regardent, il y en a encore quelques-unes qui veulent faire un petit peu de révision, j'espère. Ou juste sur le chat. Vous êtes juste sur le chat aujourd'hui. On va lancer, on verra. Kurifu, imasu ne. Oh non, Kishing-san. Eh bien écoute, pas de soucis, le chat est là pour ça. Salut, ça fait longtemps que je suis sur le Discord, mais je commence seulement à regarder les streams, j'arrive pour le quiz. Oh, kite, zehi, kite kudasai. Et du coup, bah, je suis contente que tu puisses enfin venir sur les streams, j'imagine qu'il y a le boulot, peut-être les cours surtout. Bienvenue à toi sur la chaîne Twitch, et merci d'être présent sur le Discord. Ja, gambarimashou. Allez, je lance une dernière fois le petit lien magique dans le chat. Et on va pouvoir commencer la troisième manche. C'est parti. Alors, on commence avec un bi. Bi. No, hiragana wa nan desu ka? Réponse A, B, C ou D. Oh, bah écoute, Ever, j'imagine que, vu que ça fait 2 semaines, tu as commencé à travailler les hiragana.
Donc si tu as des questions sur certains caractères qui te posent problème, tu n'hésites pas, hein, le cours il sert à ça aussi. D'accord ? Ouais, bah écoute, le mode aléatoire de Quizlet est peut-être un peu buggé, mais au moins tout le monde aura retenu B aujourd'hui. Et si, réponse B, du coup, le D, faites attention, il n'y a aucun petit trait ou petit rond en haut à droite, donc c'est un son en H. C'est un son de base, hein, et qui se prononcera HI. Hop, je vais faire venir, hop, voilà. B et B, sonne. Aujourd'hui, Quizlet est votre amis, donc profitez-en. Question numéro 2. Alors, le O, est-ce que c'est A, B, C ou D? Quizlet, il veut pas. Ah, c'est pas Quizlet, c'est le Stream Deck, pardon. Do des camina, ça. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Vous pouvez également participer dans le chat, hein, bien évidemment. C'est un perfect pour Quizlet. Réponse B pour le caractère O. Bien joué, Kalinos, bien joué. On continue. Pour le son chi, ce sera quel caractère? A, B, C ou D? Mais laisse Kepi réviser ses canards, dis donc. Révise-les toi aussi tes canards. Je suis bilingue. Là, elle redonnait. Très bien tout le monde. Hein. Ici, hein, pour le chi, ça sera D. La réponse D. Hi. On continue. Le zoo, cette fois-ci, ça donnera quoi? A, B, C ou D? Do desu ka? Le zoo, c'est ton robot. Bien joué tout le monde, hein, à l'unanimité. Réponse B, très bien. Question suivante, pour le da, ça donnera quoi? A, B, C ou D? Do desu ka? Sonne, Kepisa. Très bien, tout le monde ici, c'est une réponse C, bien évidemment. À pas confondre avec le B, ici, personne n'a fait d'erreur. Le B, il n'y a pas de ten-ten, donc c'est ta. S'il y en a un, par contre, ça devient da. On arrive à la moitié, question 6. Pour le qui, ça va donner quoi? Mal à ma gorge, dis donc. Parfait, très bien pour le chat et pour Quizlet, hein. Réponse A, très très bien. Alors, s'il y en a qui bug, j'ai plus le lien. Oupsie, est-ce que je peux avoir le lien? Attendez. Hop, voilà. Pour ceux qui ont des petits bugs et qui veulent rejoindre en cours de route. Quizlet est votre ami une fois sur deux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, pour le qui, réponse A, c'est très bien tout le monde. On continue. Pour le pot cette fois-ci, A, B, C ou D? Jamais été mon ami. Pien, Seima. Pauvre de toi. Alors ici, A, B, C ou D? Réponse B. Très bien. Faites attention, du coup, le C, il va se lire comment? Le C, c'est quoi comme caractère? C'est ça, il manque un petit trait, il se ressemble énormément, c'est normal qu'on faute au début. Hein. Mais là, comme il manque un trait, eh bien, ça se lira pas. Ça vient du son de base. Oh en... oh. Ah,
Ok, seimasu, oshimasu. On continue. Alors, pour le goût, ça sera quel caractère? A, B, C ou D? Do desu ka, minasan? Très bien. Réponse C. Alors ici, il y en a qui sont trop pas avec le A. Le chat, comment on lit le A? Gambatte, Netsu, gambatte. Tu peux le faire, je crois en toi. Le A ici, il va se lire comment? Je vois des bonnes réponses. En effet, hein, ça sera ze et pas goût. D'accord, ze. On continue. Question numéro 9. Le ya en japonais, ça donnera quoi? A, B, C ou D? C'est à vous de jouer. Yada! Nani ga yada? Qu'est-ce qui est yada, Kepi? Nihongo benkyo suru no wa yada? Benkyo yada ka. Naruhodo. Bien joué du coup tout le monde. Réponse D pour le chat et pour QZ, c'est une très bonne réponse. On continue. Bah décidément, pareil, hein, si celui-là vous l'avez pas retenu, les tout débutants, je comprends pas. Le A ici, c'est A, B, C ou D? C'est Anya qui dit ça. Ne, Anya wa benkyo suki janai ne. Attention, il y a un piège. Cette fois-ci, le A, c'est pas A. C'est bien la réponse D. Très bien, tout le monde, c'est un sans faute hein, pour Quizlet et pour le chat. Avant-dernière question, cette fois-ci, le K, ça donnera quoi? A, B, C ou D? Atasya, Anya desu kara. Ekipi wa Anya ka. So nanda. Papa, osutsuki. Waku waku suru. Toka ne. Minya, Mina, Anya suki ne. Kawaii ne. Félicitations tout le monde. Hein. Réponse C du coup pour le K. C'est un sans faute du chat et de Quizlet. On continue. Dernière question. Le K cette fois-ci. A, B, C, D. Alors, c'est un sans faute. Très très bien, très très bien. Réponse A pour le K. Très bien, très très bien. Et donc du coup, petit tableau des scores pour cette troisième manche. 82% de bonnes réponses, c'est excellent tout le monde, félicitations. Notamment pour un top 1 de la part de Marie, Utiharau, Lucas-san, Eva-san, San-san-san, du coup. Un petit top 2 pour notre cher Cliff-san et un joli top 3 pour Arthur-san. Félicitations, félicitations tout le monde. Ici, on a eu du mal avec le... Ah, janai ne. Là, ça a été... Apparemment, c'est plutôt le zo qui ont... et le o qui ont posé problème. Mais bon, dans l'ensemble, on est sur un score vraiment très, très, très haut. Donc, félicitations tout le monde. Je pense que vous pouvez vous faire des petits clap-clap-clap dans le chat. Tu as quel niveau de JLPT? Entre le N3 et le N2, la semaine dernière, je crois, hein, j'ai passé le N3 et c'était plutôt facile. Donc je pense que je vais bien réviser les candies, mon vocabulaire, et d'ici l'année prochaine, je passerai le N2 tranquillou bilou. Voilà, j'espère que cette réponse te satisfait. Donc Kyozan, bienvenue à toi en tout cas, installe-toi parmi nous. Seima, c'était vraiment tellement facile le N3. J'ai fini l'examen, mais genre, j'étais en mode, mais c'est trop facile. Genre vraiment, et d'habitude, je suis pas confiante, hein. Mais là, genre vraiment, ils nous ont demandé pour du N3 l'expression j'ai soif. J'ai soif au N3, qui demande ça? Genre, je sais pas si le niveau était en dessous, mais... Majide kantan,
Grandin de Shitayo, Rondoni. Après, j'ai bien bachoté. Peut-être que le bachotage a fait son effet. Nodo ga kawaita, du coup. Nodo, la gorge. Kawaita, c'est kawaku, donc est sèche. Donc, ma gorge, elle est sèche, donc j'ai soif. Comme maintenant, hein. Donc, kanpai tout le monde. Merci, Saïma. Non. Y a pas de j'ai faux, c'est sûr. C'est nodo ga kawaita. Y a pas d'expression autre, hein. C'est... Non. Mais j'étais très étonnée qu'ils sortent ça pour un N3, en fait. J'aurais plutôt imaginé ça un N4, hein. Et vraiment, je comprenais mais 99% de tout le contenu. Voilà. Le N3, je pense que c'était largement validé. Et maintenant, je vais me focus sur le N2 pour essayer de l'avoir l'année prochaine. Là, cette année, on va essayer de faire le mémoire aussi en même temps. Donc, on va pas le passer en décembre. J'aurai pas le temps de réviser. Mais voilà. Bon, ça va pour tout le monde pour ce petit quiz, du coup ? On va passer à la partie suivante. Je finis la petite grue. J'espère que ça va pour tout le monde. Bienvenue en tout cas à tous les nouveaux. Hein. N'hésitez pas à vous installer. Mon objectif est de faire le JLPT N5 en décembre et le N4 en 2024. Du coup, décembre 2023 et décembre 2024. Et après, j'irai faire un an de japonais au Japon, à Hokkaido. Je change d'avis. Au lieu de voyager, je regarde un an pour aller étudier à la place. Bah écoute, Luca, je te souhaite toute la force et le courage et la réussite possible pour tes objectifs. Ganbatte kudasai. Ne lâche rien, tu en es capable. Ganbatte ne, ganbatte kudasai. Alors, attendez, parce qu'il y a mon stream deck qui est en train de faire des siennes, là. Hop, on va passer à la suite, du coup, à savoir travailler les deux dernières lignes qui nous restent à travailler. Sensei wa sugoku jōzu desu yo. Nihongo jōzu. Iya. Nickel pour le kiss. Bon, bah parfait, Walmesan. Omedetou ne. Omedetou minasan. Bien joué à tous ceux qui ont participé et qui ont tenté leur chance. Même si vous n'avez pas eu tout bon, soyez fiers de vous. On est sur une grue supplémentaire. Hein. C'est Saïma qui l'a lancé, je crois. Tu peux mettre un compteur point d'exclamation origami. Yay! On avance, bientôt les 200, les gens. Bientôt les 200 grues. Voilà, dans la boîte. Du coup, on enchaîne. C'est le moment de prendre un papier, un crayon, un cahier, une tablette, tout ce que vous voulez, quelque chose qui va vous permettre de vous entraîner à écrire. On va travailler là particulièrement les deux dernières lignes du tableau de base, donc la ligne des R, lari lurero, le rat, et wa o n, les trois derniers caractères du tableau. Donc si vous n'avez pas encore de feuilles, c'est le moment d'aller en chercher une. Et là, le principe, c'est tout simplement que je vous montre l'ordre et le sens des traits. Et que vous essayez de reproduire plus ou moins la même chose pour vous entraîner à l'écrire. Et juste après, du coup, ces caractères-là, on fera encore un mini quizette à la fin pour tester votre mémoire à court terme. Et cette fois-ci, du coup, sur de la lecture de kana. Hein. Là, on fait l'écriture et après, vous ferez directement de la lecture. Et vous aurez la possibilité, du coup, de vous entraîner tout au long de la semaine grâce aux decks Quizlet qui sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Ah, nalo rodone. Encore plus gambatte du coup, Luca. Gambatte kudasai. Ah, netsu, gambatte. Gambatte, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Du coup, on va commencer avec le premier de la ligne des R, c'est le la, qui se fait en deux traits du coin. Un petit trait, est-ce que ça se voit? Non, attendez, ça se voit pas. Attendez, hein. On recommence. Donc, le la se fait en deux traits. Et gambatte, c'est bon courage, exactement, Eversan. Fais de ton mieux, hein, gambatte, c'est pour encourager quelqu'un. Gambatte kudasai. Dokane. Donc, le la en deux traits. 1 et 2. Je vais le recommencer parce que là, il est tout de biais comme d'habitude, vous me direz. 1. Donc, c'est un caractère qui peut faire penser au chiffre 5, mais du coup, faites attention parce que le chiffre 5, ça peut être un mnémotechnique aussi pour un autre caractère, c'est le
chi. Donc faites attention à ne pas confondre le la et le chi. D'accord? Tu peux le faire, Netsu. Vas-y, vas-y. On a le temps, là. Va chercher ta feuille, ton cahier, quelque chose, je ne sais pas. Ah, bye bye, Malissa. Merci d'être passée et félicitations, du coup, pour les canas. J'espère que ça a été pour toi. Hein. Et à la prochaine. Je remontre le là. Un et deux. Bah go gagner au loto, Seyma. Let's go, hein, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Ta ref, quel ref? Est-ce que t'as marqué en japonais? J'ai pas la ref, je suis désolée. Yurishite kudasai. Watashi wa wakasugi yo. Sumasen. Allez, une dernière fois pour le là, et après on passe au suivant. Un... et deux. Ah! Soyu imika. Naruhodo. Naruhodo. Ok. Wakatta. J'avais pas du tout fait ce genre de traduction dans ma tête, donc... Aïe. Allez, on passe au suivant. Alors, le li, également un caractère en deux traits. On va commencer par celui de gauche, légèrement arrondi avec un hane. Cette partie-là, hein, surtout, vous ne l'oubliez pas. Et l'autre va être arrondi de l'autre côté et va légèrement passer en dessous. Je vous remontre ça. Un trait, deux traits. Bah, t'as bien raison, Luca. Après, t'es un peu coincé, entre guillemets, par les responsabilités de la vie. Alors... pour le lit, hein, on est sur un caractère en deux traits. Premier trait avec un hane, deuxième trait plus grand qui va légèrement aller en dessous du premier trait finalement. Voilà, quelque chose de ce style-là quand j'écris vite. Bon là c'est plutôt un katakana donc on va pas oublier le hane. Et le lit de Onigiri sur des sénés. Et donc du coup, Ezum, tu fais penser, hein, faites attention, comme vous pouvez le voir sur Discord, des fois le lit, il est lié, plus ou moins comme ça, ça ressemble à quelque chose, sauf que ça c'est seulement en fonction des polices d'écriture. Vous, quand vous écrivez un caractère, vous devez le faire en deux traits, hein. Hop, lit, comme ça. Le ri ou le lit ou... né. Ça, on est. Ça. Donc voilà. Là, li. On va travailler ensuite le lu. Donc le lu, c'est un caractère en un seul et long trait. On va commencer avec un Z qui va faire une grande boucle. Hein. Ça doit ressembler à quelque chose de ce style-là. Voilà. Quelque chose comme ça. Pareil, je vous laisse de votre côté le tracé. Plusieurs fois. Onigiri, le démon des chatouilles. C'est rigolo, ça. La roue du vélo. Vous êtes infatigables, les modos. C'est pas possible. Ça m'étonne que Gosto ne réplique pas, tiens. D'habitude, il y a le trio infernal. Là, il n'y a que le duo. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà pour le... Oui, c'est exactement ça, Seyma. Je vois pas d'autres raisons. Je reste sage. Iné. Sourcil. Ah, le pauvre maillot. Ah. Allez, on continue. Avec, du coup, le lait. Donc le lé, il doit vous faire penser au caractère né, hein, c'est la même chose, sauf à la fin du trait. Donc on commence avec un trait vertical, puis un Z qui va partir en montagne russe. La différence du coup, c'est que pour le nez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nez
ça fait partie des N et donc de la ligne des boucles. Donc là, faites attention à la terminaison de votre trait surtout. Oh, merci beaucoup, Johan-san. Merci pour le follow. Follow shikurete. Arigato gozaimasu. Konnichiwa de yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Ushinore. Un japonais, il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ça veut rien dire. Ah, le framponné, c'est beau. Je vous le refais une fois, celui-là. Je vous laisse le tracé, évidemment, de votre côté. Hein. Oh là là, on recommence. Ah bah oui, si je fais un nez. On recommence. Voilà. Quelque chose comme ça. Le rez-de-chaussée n'existe pas au Japon. Ma ikai desne. C'est directement au premier étage pour le rez-de-chaussée. Sans desne. Donc voilà, en effet, le cas, hein, ne pas confondre le lait avec le nez. Et on enchaîne du coup avec la dernière syllabe. Du coup, elle, il va pas falloir la confondre avec kimoi. Urusei, oh kimi. Mone, urusei. Donc le lo à ne pas confondre avec le lou, hein, caractère de la même ligne, celui-ci n'a pas de boucle, hop, alors que le lou lui va en avoir une. Donc là vraiment faites attention. Konbanwa imasan, comment vas-tu? Un violet sombre. Ok ça marche, je pars sur ça. Saima hidoi ne. Saima watashi yori. Dekiru kana? Kanji nara watashi no hou ga dekiru kedo ne. Un petit accent japonais. Ok, je vais faire de mon mieux pour parler en français avec un accent japonais. Est-ce que ça va pour tout le monde? La lirurelo. Est-ce que ça va? Ohayo. Ma konbanwa, Fuenza-san. Konbanwa. Est-ce que ça va pour la lirurelo? Mettez-moi des clap clap dans les chats. Clap. Ok. Merci. Bon, du coup, on fait la suite. Tsugi shimashouka. Tsugi shimashouka. Les trois dernières pour aujourd'hui. Donc le suivant, c'est le wa. Donc là, pareil, il fait partie de la trilogie, hein, très verticale. On commence avec un Z et c'est là où tout va changer. On est plutôt sur quelque chose d'arrondi. Contrairement du coup au le, qu'on vient de voir, et au ne. D'accord ? Sugoi ne. Apuru no ne japonais wa fluence go jōzu desu ne. Maji de seima wa watashi wa jōzu te itta yo. Coucou Candy-chan, juste pour te dire que je pourrais finalement passer vendredi 15 à la Japan Expo, donc je vais essayer de passer te voir. Oh, oh mon dieu, t'es là que du vendredi du coup? Ah, évidemment que je suis là ce jour-là et évidemment qu'on va se voir. Évidemment. Eh, maji de ureshi. Eh, yokatta, yokatta. Bah du coup, Joe, il y a deux possibilités. Soit à 13h sur le stand de vue du Japon, soit on se capte autre part, et je sais pas encore avec Judai et tout si on se fait un truc après la convention. Il faut que je vois. Et dans ce cas-là, on se capte après la convention. Mada kimete nai kedo ne. Nihonji no akcento wa zenzen. Et doyu koto?
Ah, les gens! Il y a Joe qui sera là aussi! Trop bien! Et Mati de Intane! Suge! Yokata, yokata! Eh, bikkuri! Bon, bah, du coup, on se voit dans pas longtemps, Joe! C'est vrai, c'est vrai! Bah, de toute façon, on en parlera en MP, Joe, on verra ce qu'on fait pour se capter et papoter un petit peu. Ceux qui ne connaissent pas Johnny Rango, merci Saïma. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne Twitch. Je crois que ce soir, il n'y a pas de live, malheureusement. J'ai dû voir ça en story, dis-moi si je me trompe. Mais des petits cours de japonais, des petites lectures, des petites traductions, pas mal de contenu sur YouTube et sur Instagram. Il fait des choses très qualitatives. Et puis, si vous êtes là vendredi, et ben, vous aurez l'occasion aussi de le voir à la Japan Expo. Donc, n'hésitez pas. Sur le WA, ça va pour tout le monde. Je le retrace une dernière fois. Hop. Matane. Matane, Joe. Matane, Joe-san. Mata, kinyobi, ne. Mata, kinyobi. Watibi. Ces références, punaise, je vous jure. Allez, on continue. Donc, avec le O, hein, qui va tout le temps se prononcer comme la voyelle. Il y a un W, quand nous, on le transcrit en hiragana. J'adore rire. On adore rire. Mais ça se prononcera bien O, hein, en hiragana. Il est utilisé, à ma connaissance, que pour la particule. Donc, on est sur un caractère à trois traits. On va commencer avec une croix qui va faire une cédille. Ah mince. Attendez, hop. Une cédille. D'accord. Ça ressemble un peu à un T au début. Et de là, vous allez faire un C. Voilà. Et ça nous donne un O. O dessiné. Je vous le refais. On commence avec une croix cédille et un C. Kusuri. Nani kusuri? Pourquoi tu dis kusuri? Et kusuri janai ka? Ah non, ha. Je ne vois pas du tout le kanji, hein. Je tiens à préciser. Pour ceux qui doutent, je vois juste pas le kanji tellement il y a de traits. Fusion du chi et du to. Sans dessiner. Sans. C'est Kushan. Dasso, ne. Coucou Emona-san. Comment vas-tu? Ah, c'est Wara. Et si son kanji mo aru no ka? Naruhodo, naruhodo. Allez, je vous le refais une dernière fois, ce petit O. Il n'est pas très beau. Attendez, je recommence. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit que je ne connais pas. S'il est en N3, bah rip à moi. Mais je pense qu'il doit être sur du N2 ou non classé. Mais oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Genki desu ka? Est-ce que ça va pour tout le monde, les W? On finit avec le N, du coup. Le N qui, finalement, est un caractère en un seul trait qui peut ressembler à un N cursif, hein, chez nous. On doit le tracer comme ça. À N cursif, c'est comme ça, plus ou moins. Voilà, quelque chose de ce style-là. Moi, mon N, je le fais jamais comme ça, mais voilà. Je pense que c'est un caractère qui est plutôt facile à retenir, en fonction de vos styles d'écriture, peut-être. Je vais reprendre le japonais peut-être avec un prof. Ah, sugoi! Ah, yokatta, Emona-san. Donc là, pour le N, je vous laisse le tracer, bien évidemment. Hop, c'est un caractère pas compliqué, en un seul trait. Vous êtes de grands enfants, je vous laisse gérer. Et j'en profite pour avancer sur la grue qui m'a été demandée, bien évidemment. Et Gosto, au cas où, si tu veux faire à manger, tu peux. Bon, ça me rassure. Merci, Saïma, d'avoir checké. Ça me rassure. Hop.
Donc là, du coup, on a fini de voir tous les caractères. Il n'est pas exploité, Gusto. C'est Gusto qui fait à manger. Je lui dis juste que j'ai faim, en fait. Donc, comme on y reste 15 minutes, bah, c'est le temps pour faire la salade de pâtes, quoi. Comme ça, après le live, boum, on mange. Bon, sinon, j'ai fini la petite grue, hein. On peut continuer. Point d'exclamation, S-Dream, avec origami. Enfin, point d'exclamation, origami. Je t'en prie, S-Dream. Dozo. Mais il est souvent écrit en kana. Ah, ma son, ne. Mugiwara, ne. Tatoeba, ne. Aïe. Bon. Est-ce qu'on finirait pas, du coup, ce petit cours avec un quiz. Quizlette, comme d'habitude. Pour travailler la lecture des 5, 6, 7, 8 derniers kana. Attendez que je vous mette ça. Hop. Le son, je suis désolée. Hop. Sensei wa golo golo ne. Ma ne. Sou kana. Ah, alors, ce que je peux faire, Emona, c'est remontrer une fois le ce que l'on a vu aujourd'hui. Comme ça, tu pourras quand même faire le Quizlet. Donc, ici, on a le caractère là. Li. Ru. Le. Ro. Donc ça, c'est pour la ligne des R. Faites attention. Le lu, il y a une boucle. Le lo, il y en a pas. On a ensuite le wa. Celui-là, je dis souvent, waouh, elle est enceinte. Hein. Comme ça, vous pensez à arrondir le trait. Le o, en trois traits, du coup. Et pour finir, le n, qui ressemble à notre n en cursif. Et on arrive, du coup, sur le petit Quizlet des familles. Hop, je vous laisse le rejoindre pour ceux qui veulent s'entraîner là tout de suite maintenant. Et au cas où, si vous ne pouvez pas aller sur Quizlet, vous aurez la possibilité de proposer vos réponses dans le chat. Dur, Seima, dur ce que tu viens de dire. Chotonemi, sarede. Et doko ni ikimasu ka? Nani sono kanji? Tu mets que des kanji, je connais pas, Kepi. Please. Oyasumi nasai, jane. Sad, but true. Sone, kanashi, ne. Tanto, jitsu nano ni, ne. Ah putain, je l'ai lu juste avant. Ah! Oui, d'accord, je viens de comprendre ce que t'as dit, du coup. C'est parce que Nemuni Iku, je crois que ça se dit pas, parce que Nemuru, c'est avoir sommeil. Donc Neni Iku, ce serait plutôt avec le kanji de Neru, je pense. Ah, Christophe, vas-y, rejoins-nous sur la petite dernière. Ceux qui veulent s'entraîner, c'est le moment. Vas-y, un dernier aussi. Allez, on le lance. Ah, Seima, attention à ta phrase. Oishikatta desu ka. Pas de i, et il y a déjà un passé sur katta. Oishikatta desu ka. Desu ka. Ok, ça marche, Emon. Allez, je lance, premier rando. Le luf, est-ce que c'est A, B, C ou D? Allez, stream, tu me tues. Pour le luf, A, B, C ou D, la réponse? On commence doucement, on a 8 questions, on va le faire deux fois, hein. Très bien, réponse A ici. Le loup, il y a une boucle. Il y a une boucle pour le loup. Très bien. Voilà, la roue, hein, c'est rond, il faut une boucle, par exemple. Question numéro 2. Le lait, c'est quel caractère?
ABCD pour le les. Do desu ka minasan? Très bien, réponse C, hein. Parfait. Question suivante, le la cette fois-ci. A, B, C ou D? Je vois de bonnes réponses dans le chat. Très bien, hein, réponse D, parfait pour le chat et Quizlet. On arrive à la moitié, le lot cette fois-ci. A, B, C ou D? Bonne nuit à toi, Kepi-san, matane! Otsukare-sama, Kepi. Alors, pour le lot, qu'est-ce que ça a donné? A, B, C ou D? Réponse C, c'est très bien. Très 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 bien. Il y a clic vide. Non, ok, puis reste. On continue. Pour le N tout seul, le N. A, B, C ou D? Ah, Ponchou, comment tu vas? Genki desu ka? Est-ce que toi aussi tu es en train de mourir avec la chaleur? Bon, je vois de bonnes réponses dans le chat et c'est un perfect pour Quizlet. Réponse C pour M. Question numéro 6. O, W, O, O. Est-ce que c'est A, B, C ou D? T'inquiète pas, Kipi, t'as le droit aussi de te reposer un petit peu quand même. Parce que sinon, c'est compliqué. Ça, on est. Faites attention, du coup, le A, c'est l'autre. Je vous dis pas, je crois qu'il n'est pas encore passé, hein. C'est l'autre. Ah, donc ici, réponse C pour O, souvent utilisé en tant que particule, soit particule du lieu, soit particule du COD. Généralement, c'est plutôt la particule du COD qu'on voit. Allez, question numéro 7. Pour le WA, qu'est-ce que ça donne? Otake. J'aime ces blagues de japonisant. Ouais, j'ai vu tes stories, Ponchou, courage à toi. Je vais te donner plein de courage vendredi, vu que je viens. Te donner plein de force. Gambatte à toi. Ouais, c'est réponse C. Très bien dans le chat et très bien Quizlet. La dernière, le lit. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Je vois de bonnes réponses dans le chat et c'est de très bonnes réponses sur Quizlet également. Petit récap de ce qui vient de se passer. 93% de bonnes réponses, c'est excellent. On est sur presque 100% aussi sur le chat, je pense. Félicitations à Fuenza, Lucas-san, Zudolio-san pour le top 1. Le dieu du Kana est de retour. Ça, c'est toi, Christophe. Top 2. Non, je pense pas que ce soit toi, Christophe, en vrai. Moi, je suis là, mais... Et aussi, pour un petit top 3, félicitations. Si, c'est toi. Je suis trop fort. Je sais pas pourquoi le pseudo me suis dit peut-être que... On essaye d'en refaire un, du coup, un petit dernier. Et on finit sur ça pour aujourd'hui. S'il y en a qui veulent retenter un dernier quiz de 8 questions, ça va avec les chevilles, forcément. C'est pas grave ça, Emona. T'as eu des bonnes réponses, c'est surtout ça qui compte. En plus, t'es arrivé à la fin, donc t'as pas eu le temps d'écrire et d'assimiler ce que nous, on a vu. Donc si t'as déjà des bonnes réponses, c'est très bien. Au contraire. Tu peux être fière de toi. Oh, yes, Lulu, il a passé les 50%. Il faut que je fasse, je pense, demain, je vais m'en occuper, une petite story et un message sur le Discord pour repartager ta campagne. Il faut juste que j'y pense, je vais noter dans ma to-do list. Je te promets rien, mais demain j'essaye de refaire une petite annonce pour que tout le monde puisse avoir une notif sur ça. Je suis trop contente à chaque fois d'être ici. T'es trop...
trop chou. Je suis contente que tu sois contente du coup. Ça en est. Les erreurs construisent plus les connaissances que tout juste. Sans dessiner. Ça, ça, ça. Allez, on se lance le dernier quiz pour aujourd'hui du coup. C'est parti. Et évidemment, un petit... une petite grue violette, hein, je crois que c'est encore une fois le cantine Moulasaki. Allez, c'est parti. On commence. Alors, on commence avec le wa. Qu'est-ce que ça donne? A, B, C ou D? Alors oui, genre, je vais montrer le saut à grue. Il y a pas de souci. Dès que je finis celle-là, je vous montre. Très bien dans le chat et très bien pour Cuisette. Réponse B. On les enchaîne. Hein, le « ça donne quoi ? A, B, C ou D ? Pour le « Très bien. Réponse C, hein, bien joué pour le chat et pour Quizlet. Le là, ça donnera quoi? Ah, pas de soucis, Netsu. Ne te décourage pas en tout cas, d'accord? Tu as fait de ton mieux et tu as géré aujourd'hui, donc félicitations à toi. Au plaisir de te revoir sur les autres streams, du coup. Et j'espère que tu vas bien et je te souhaite une bonne soirée. Alors ici, pour le là, est-ce que c'est A, B, C ou D? Bien joué, tout le monde répondait. Tiens, toi qui aimes Fall Guys, il y a le Trek Tundra aujourd'hui qui est sympa à faire. C'est quoi le Trek Tundra? On continue, hein. Le lot, ça donne quoi? Attends, tiens, je te renvoie le... Hop, le lien. Très bien, le chat et Quizlet, réponse D. On continue. Le lit, cette fois-ci, ça sera quoi? Oh! Eh ben, si je suis pas trop crevée après tout le boulot qui me reste à faire, j'irai peut-être faire un peu de Fall Guys en solo. Merci de me l'avoir dit, Saïma. J'irai tester ça. Ou alors, j'irai peut-être sur le Discord Game Center. On verra ce que je fais, je sais pas encore. J'ai un peu trop de boulot à faire ce soir, j'ai des commandes à préparer. Bref, je vais raconter ma vie, encore une fois, j'arrête. Bien joué, réponse B pour le lit. On continue, le lait cette fois-ci, ça va donner quoi? A, B, C ou D, c'est à vous de jouer. Très très bien, très très bien. Réponse B pour les. Avant-dernière question, le loup. Je me fais folguicité. Ah, folgui. Ah quoi? Folguisiser par mes filles en ce moment. Mais c'est bien, folguise, les comprends tes filles. Ah, c'est pas grave, Emona, tu peux le faire. Concentre-toi sur les deux dernières. C'est qu'une faute, c'est pas grave. Oui, voilà, très bien, hein, réponse C pour le loup. Et on finit à 20h pile sur la dernière question. Le O, c'est quel caractère? A, B, C ou D? Ouais, tu m'étonnes. Les trucs de groupe, c'est toujours rigolo. Surtout quand on a tous le même niveau. Généralement, on s'amuse bien. Alors ici, dernière question. Est-ce que tout le monde l'a? Le O, attention! Oui, c'est un perfect, bien joué. Et quel timing, je finis la grue à ce moment-là. Si ça, c'est pas beau, ça. Si ça, c'est pas beau. Bien joué, tout le monde. Allez, le petit récap. C'est un 96% de bonnes réponses. Félicitations à aussi The Drolio-san pour le top 1 et le Kassan pour le top 2. Bien joué, tout le monde.
Je pense que vous pouvez vous faire des clap 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 dans le chat, c'est plus que mérité encore une fois. Bien joué. Et le ventilateur de Ebona fonctionne plus. J'allais dire fonctionne, on fait des clap clap clap. Bon bah du coup, PN. PN. Je suis triste pour toi, Ebona. Fais un éventail en papier, ça va te sauver la vie. Ah non. Gambatte, Ebona-san, gambatte kudasai. Tu nous dois 8 minutes de live en plus, n'oublie pas. Non, 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 j'ai fait mes 8 heures, c'est bon. Vous fatiguez. Oh là là. Le ventilo est mort, des clap, clap, clap. C'est des clap, clap, clap de rip en fait. C'est amen quoi. Un inventaire en origami qui indique c'est une question de vie ou de mort. Ouais, je crois que là. Je suis en train moi-même de mourir, donc rip, hein, rip. Je suis triste, c'est kanashi, kanashi, kanashi des, je suis triste. Ou alors il y a un mot, c'est pien, p-e-n, pien, c'est le bruit un peu de la tristesse en mode pien, pien. C'est triste quoi, pien. So desne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Kanashi. Désolée, je rigole, mais c'est parce que c'est rigolo de voir ces kanji. Je te l'écris dans le chat, c'est kanashi, comme ça. Kanashi. Hop. C'est un adjectif en i, du coup. Hein. Être triste, kanashi. C'est triste, être triste, etc. Un maximum de PN dans le chat. Il y a en plus, pour ceux qui sont abonnés, il y a une émote PN. C'est celle-là. C'est celle-là, PN. Bye bye à toi aussi, félicitations pour ton score d'aujourd'hui et puis bon courage pour la pâtisserie du coup. On a le droit à une petite photo à la fin dans nourriture sur le serveur Discord. Donne-nous faim s'il te plaît, donne-nous faim. Ça en est bien, bien. Bon bah les gens, félicitations à vous, hein. Encore une fois, vous avez géré, hein, comme toujours. C'est du très bon boulot, continuez comme ça. Les kanas, les hiragana, on a presque fini un nouveau cycle, hein, la semaine prochaine. Je pense qu'on voit les combinaisons de base et les règles. On fera de gros quiz de récap avec tout dedans, 2-3 manches. Et puis après, on pourra entamer les katakana. Sinon, demain, on est censé faire de la grammaire. Je n'ai pas du tout fait le diaporama pour le moment. Je sais même pas si j'aurai le temps de vraiment faire un joli diapo. Donc voilà, ce sera peut-être de la révision plutôt qu'un nouveau cours. On verra ce que l'on fera. C'est pas décidé malheureusement. Dimanche, n'importe quoi. Attendez, que je regarde. Streamflac, c'est un peu ça. Jeudi c'est Candy, je pense qu'on fera de la révision de Candy. Pareil, je n'aurai pas le temps de faire un diapo, donc il me semble de toute façon qu'on était arrivé sur de la révision, donc ça tombe bien. Et puis voilà, on aura fait déjà une semaine de japonais. Samedi, il y a Sakuramen, hein, à 20h30, avec Angélique, et si tout va bien, Japan Kanke. Donc bah voilà, soyez au rendez-vous, comme d'habitude. ça devrait aller pour la lecture de demain soir, je pense que ça devrait aller, Cliff. Je vais essayer de bien me reposer ce soir, de pas dormir trop tard, d'être à jour, et en même temps de pas dormir trop tard. C'est très 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 contradictoire ce que je viens de dire. on va essayer, et en même temps j'ai envie de jouer à Fall Guys, donc ça va être complicado. Hein. C'est qui Japon Nukonke? Je sais pas, je suis pas guisée. bon sinon, on raid qui du coup? Est-ce que vous auriez, par hasard, un petit Jean à me conseiller pour un petit raid fort sympathique? Non, c'est vraiment pas facile de dormir quand il fait chaud, je confirme, Sam. On a le ventilo, hein, mais je pense que c'est à cause aussi du ventilo que j'ai mal à la gorge, parce que du coup, il est en plein sur nous, et du coup, il y a froid toute la nuit, sauf que en rentrant, en restant dans l'appart et en sortant de la chambre, il fait super chaud, et puis encore plus quand on va dehors, enfin bref, c'est 32 degrés, vous-même vous savez, peut-être que c'est même pire chez vous, donc je me plains pas. on raid qui ce soir, tiens? J'ai personne de spécifique là. Sauf quand le ventilo marche plus. Bon bah, Ebona, encore une fois, rip à toi. Hein. Rip à ton ventilo.
En mode ventilo, c'est allemand, Saïma? Dans les rondons. Le saut de grue! Le saut de grue, bien évidemment. Alors, le saut de grue. Hop, voilà les petites grues qui sont accumulées. Les autres sont en guirlande. Hein. Petit à petit, j'essaye de faire les guirlandes multicolores qui, peut-être, un jour seront dans le décor. C'est ça le saut de grue. Genre les mignons, tu vois, grues. Il y a des grues et des mignons partout là-dedans. C'était pour mourir. Aïe, aïe, aïe. Le saut de grue. C'est ça. Exactement. Attendez, je vais aller dans parcourir. On va aller voir si, en français, si je marque le mot Japon, on a quelque chose. J'ai découvert quelqu'un de très sympathique ce matin qui s'appelle Feuille, je crois. Elle fait de temps en temps des actus Japon. C'était plutôt cool. Elle est aussi en fac de japonais. Je l'ai mis sur le serveur au cas où ça vous intéresse. Là, je vois qu'il n'y a rien de spécial sur Japon. Si on tape anime, est-ce qu'on a quelque chose? Anime. Ah, bonne soirée à toi, Ponchou! Il n'y a rien en anime non plus, mais il n'y a rien ce soir, c'est quoi ça? Vous avez pas de reco ce soir? Oui, rendez-vous à la JE, Ponchou. Bon courage à toi d'ici là. Gambatene. Ouais, non, il n'y a pas notre ami japonais qui apprend le français. Alors, San SR. Que fait San SR? Oh! Eh ben écoutez, SJUM, je vais écouter ta recommandation. Ma foi, allons voir ce que fait ce monsieur, j'imagine, vu les mains. On est sur du jeu de rythme. En japonais, ça m'a l'air ma foi très compliqué. On va lui apporter un petit peu de soutien, un petit peu de follow. Et dans le chat, hein, tu t'es fait japoniser, bien évidemment. Ouh, dur la fin de stream. On se quitte comme d'habitude sur un petit otsukaresama. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé à ce cours. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain 18h30 pour de la grammaire révision, je sais pas trop quoi parce que j'ai pas fait de diapo. Des bisous tout le monde et otsukaresama. Sama deshita. Otsukare. Sama deshita. Tout 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 tout. Bonne nuit tout le monde, bon appétit avant et bonne soirée encore avant. Bye bye.